certains sont de plus en plus frigorifiés, il ne va pas falloir qu'on tarde à appeler notre groupe de rock pour réchauffer tout cela. Avant cela, parce que nous avons un troisième stand avec un thème qui sera bientôt repris d'ailleurs et qui figurera peut-être comme le thème de toute une émission dans le commerce autrement. Je vous propose le reportage tout de suite et puis après d'aller avec vous rencontrer les participants de la Casa Palabre de Salon et ce qu'ils auront à nous dire sur leur action. Le commerce équitable, mais peut-être pas que le commerce équitable. Donc, nous regardons ensemble ces quelques photos prises chez eux, autour d'eux, d'un moment particulier, puisque la rue était consacrée à la promenade devant chez eux. Et donc, ils nous invitent chez eux maintenant. Voilà, troisième reportage sur le commerce équitable et la Casa Palabre. On va tout de suite aller ensemble les rencontrer. Vous pouvez peut-être nous suivre sur l'écran parce que là, c'est encore plus loin. Je ne sais pas si vous nous verrez de là-bas.
J'en profite peut-être parce que ce troisième reportage vient de passer pour remercier. On aura plein de remerciements à se dire ensemble tout à l'heure. On s'est déjà remercié avec les percussions. Remercier Marie-Christine parce que c'est elle qui a rapidement et sans avoir toujours beaucoup de temps pour ça, composé l'ensemble des reportages photos. Donc je crois que ça vaut le coup de l'applaudir pour la remercier. Et ensemble, on va se diriger vers la Casa à Palabre. Voilà, alors, vous me suivez, je vois Paul et, alors je ne sais pas, alors il faut que je lui demande, Paul et Hélène qui nous attendent sur un merveilleux stand. Alors, tout de suite, peut-être comme je l'ai demandé dans les autres stands, Paul et Hélène, qu'est-ce que, pour vous, consommer autrement, c'est quoi ? On est dans, apparemment, le commerce équitable, mais... comment vous en êtes arrivé là? Je pense que la Casa à Palabre, ce n'est pas que le commerce équitable non plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites actuellement? Parce que nous, nous connaissons la Casa à Palabre, peut-être pas tout le monde. Donc, qu'est-ce que vous y faites et en quoi ce commerce équitable? Et le reste est pas forcément que consommer autrement, mais commencer à vivre autrement? Bonjour. Voilà, pour nous, la Casa à Palabre est tout d'abord un lieu où on veut essayer de favoriser les rencontres et ce qu'on appelle maintenant la convivialité pour que les gens puissent se retrouver tout simplement dans les meilleures conditions possibles. C'est un café, un salon de thé qui pourrait être comme un autre, mais qu'on a essayé de rendre le plus chaleureux possible par son aménagement, où on essaie d'accueillir le mieux possible chacun qui vient chez nous. Ça se situe à Salon, dans une toute petite rue, donc il faut un peu chercher pour y venir, mais c'est peut-être pas plus mal comme ça. Et donc, en même temps, on essaie de servir, on sert pratiquement aucun produit que vous pourrez trouver dans un autre café ou un autre salon de thé. Tout d'abord parce qu'ils viennent soit des produits exotiques qui viennent par les filières de commerce équitable, soit des produits locaux qui viennent de salons à des producteurs que nous connaissons, soit des produits que nous avons préparés sur place avec le plus de soins possible pour encore une fois recevoir le mieux possible ceux qui viennent nous voir. Et on a aussi un certain nombre de choses autour de ce salon de thé café. On a une épicerie de produits de commerce équitable, mais aussi c'est un lieu d'animation. Une ou deux fois par semaine, il y a des soirées jeux ou des soirées musique avec bientôt le groupe qui s'est produit ici. Des soirées, des conférences sur des sujets qui nous tiennent à cœur, qui pourraient ressembler un peu à ce qu'on fait aujourd'hui. On accueille aussi des artistes, des peintres et des photographes qui exposent tous les mois. Il y a un peintre ou un photographe différent. Et tout ce qu'on fait là, on essaie de le faire dans une démarche qu'on peut essayer d'appeler commerce équitable. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait, nous, la Casa à Palabre, un achat ou qu'on a une relation avec un artiste, on essaie que pour nous, comme pour lui, comme pour eux, chacun s'y retrouve dans le plus grand respect des uns et des autres. Voilà un peu en gros la démarche de la Casa à Palabre. Merci bien. Donc vous êtes aussi à disposition si on veut vous interroger et puis après venir vous visiter, hein, ce sera volontiers. Et puis j'ai l'impression que vous serez un des protagonistes aussi d'une des prochaines émissions si on reparle plus particulièrement du commerce équitable. Merci beaucoup. Et puis donc, le stand vous attend tout à l'heure. Respirez encore autrement. On va encore changer d'univers. Je vous propose donc qu'on rejoigne tout de suite ensemble le groupe Dubi System. Alors, il faut que nous y allions ensemble parce que pour l'instant, ils n'ont pas de micro. Vous ne les entendriez pas si je ne m'avançais pas vers eux et leur passer donc la parole. Ils vont nous réchauffer, j'en suis certain. Vous nous direz s'il faut les faire revenir, le nombre de fois qu'il faut les faire revenir en fonction du vent qui se lève, 50, 60 km/h. À vous, on vous écoute.
sans alcool, elle ne sait que se taire. Elle vira Brown est une guerrière, mais elle danse perdue dans ses chimères. Quand je pense à tout ce qu'elle pourrait me faire, sans alcool, où est la sorcière? Elle vira Brown depuis les hivers. Quelle chance, un peu de whisky d'hier. Et je repense à tout ce qu'elle a pu me faire. Elle vira Brown. Elle vira. Elle vira Brown. Par-delà les frontières. Même à l'école, elle était la risée de ses frères. Elle vira Brown, aurait vendu père et mère pour une France pour deux sous quatre pierres. Quand je vous dis qu'elle vira, c'est tout faire. Un peu d'alcool, pas besoin de prière. Elle vira Brown, la tête en arrière. À genoux, quand Brienne est à nous, pas trop fière. Et je repense à tout ce qu'elle a pu nous faire. Elle vira Brown. Elle vira. Elle vira Brown. Elle vivra par-delà les frontières. Sans alcool, elle ne sait que se taire. Elvira Brown est une guerrière, mais elle danse perdue dans ses chimères. Quand je pense à tout ce qu'elle pourrait me faire, sans alcool, où est la sorcière? Elvira Brown défie les hivers. Quelle chance, un peu de whisky d'hier. Et je repense à tout ce qu'elle a pu me faire. Elvira Brown. Elvira. Elle vira Brown, elle vivra par-delà les frontières. Elle sait que se taire, Elvira Brown est une guerrière. Mais elle danse perdue dans ses chimères. Quand je pense à tout ce qu'elle pourrait me faire, sans alcool, où est la sorcière? Elvira Brown, la tête en arrière, à genoux cambrés, elle est à nous pas trop fière. Et je repense à tout ce qu'elle a pu faire. Elvira Brown, Elvira. Elvira Brown, elle vivra par-delà les frontières. Elvira Brown, Elvira. Elvira Brown, elle vivra par-delà les frontières. Merci beaucoup. Merci au Doobie System. C'est un autre genre de perfusion. Ça fait pas de mal aussi. Je vois que vous avez les oreilles un peu rouges, mais au moins vous avez plus froid. Merci à eux. Et on les retrouvera tout à l'heure. Hein, volontiers. Voilà. Ce morceau de rock va clôturer notre deuxième partie d'émission. Et il nous reste maintenant à être définitivement plus concret. Avant cela, tout à l'heure, je remerciais Marie-Christine. Je voudrais profiter qu'il est là et puissant arrêter cette émission, mais pour dire un merci particulier à Monsieur le maire d'Alens, parce que, juste simplement, vous signalez que nous sommes ici dans des locaux municipaux qui sont souvent loués aux associations, qu'ils ont été prêtés gracieusement à Transhumance et à Audezone pour cette émission faite ensemble. On trouve que le geste est sympathique, on l'apprécie et on avait juste envie de vous le dire. Merci, monsieur le maire. Vous voyez que Isabelle et Guy sont revenus gentiment, sérieusement à leur banc et que donc je vais me tourner maintenant vers eux pour leur poser une nouvelle question fatidique.
On a déjà apporté quelques petits éléments de réponse, mais il faut définitivement aller plus loin. Consommer autrement, on a pu voir qu'il y a finalement plein de sens, et puis que chacun, en fonction de sa propre expérience, entend cela d'une façon ou d'une autre, que nous avons des exemples concrets. Après, reste quand même bien posée la question, mais cette consommation autrement, cette consommation plus responsable, plus citoyenne, peut-être même solidaire, est-ce que, comme on peut avoir l'impression que c'est le cas aujourd'hui, ça doit rester pour quelques-uns, peut-être pour vous, pas forcément pour moi, est-ce que le plus grand nombre est appelé à être entraîné par cette responsabilité? Est-ce que ce serait simplement le lot d'une élite? Ou est-ce que tous ensemble, nous pouvons aller vers une autre consommation? C'est le thème de cette dernière partie du plateau. Et comme dans la première, je vais avec vous interroger Isabelle et Guy dans leur réflexion sur cette question, interroger après nos citoyens responsables, voire militants, et puis vous donner la parole aussi sur cette question. Vous savez, je vous le disais tout à l'heure, un des objectifs de Transhumance, c'est bien de réfléchir, de débattre, mais c'est aussi d'essayer de changer concrètement des choses dans nos vies, et que c'est bien cette partie qui devrait nous donner des pistes qu'on reparte, pas tout à fait comme on était parti, comme on était arrivé, pardon. Tout de suite avec vous, donc, Isabelle et Guy. Alors, je ne vous affuble plus de l'affreux surnom de spécialiste, mais je vais juste vous demander, dans votre expérience et la recherche et la réflexion qui est la vôtre, est-ce qu'on peut aller plus loin qu'aujourd'hui? Est-ce que cette question serait réservée à certains, ou est-ce que il y a possibilité que le plus grand nombre soit concerné par cette question? Isabelle. Je dirais que là où on en est, ça serait de dire il faudrait que tout le monde soit concerné par cette question. Parce qu'un jour, on ne pourra plus consommer comme on consomme aujourd'hui. Et si on attend de rentrer dans le mur pour en prendre conscience, je pense que ça va faire mal. Et c'est les gens qui sont les plus démunis qui en souffriront le plus. Et je me dis que nous, où ça fait quelques années, où on se dit c'est important qu'on réfléchisse sur qu'est-ce qu'on achète, comment on consomme, peut-être acheter différemment. Je dirais que notre responsabilité aujourd'hui, c'est de sensibiliser les gens, les informer. Et je rejoindrai ce qu'elle disait Françoise par rapport à la publicité. C'est-à-dire essayer peut-être d'apprendre aux gens à se décoller de cette culture qui nous pollue la vie, dans laquelle on baigne et qui n'est pas facile de se décoller, de dire qu'on est consommateur, que notre vie c'est acheter. Et que c'est vrai que s'il y a une voie à suivre pour nous, c'est d'arriver à ce que tous les gens arrivent à se poser un peu cette question, mais pourquoi on achète, pourquoi on consomme? Et je pense qu'il y a des gens qui ont des revenus faibles, mais qui se sentent obligés d'acheter beaucoup de choses, de consommer des choses qui coûtent cher. Je pense surtout au problème des marques, au problème des adolescents qui réclament des choses, des vêtements qui coûtent cher, des cartables qui coûtent cher, et où les parents tellement imprégné de se dire que si mon enfant il n'a pas ce qui coûte cher, il ne vaut rien, il ne sera pas reconnu, il n'aura pas sa place. On baigne là-dedans et je me dis que nous, aujourd'hui, la voie, c'est peut-être d'ouvrir un peu les yeux sur ça. Je ne sais pas comment, parce que ce n'est pas simple. Je dirais qu'on est tellement imprégné de ça que je me dis comment on peut faire pour permettre aux gens d'avoir une petite image, un petit regard. Et quand je vois que même la publicité rentre par la fenêtre dans les écoles, je me dis que là, il y a un peu de vigilance à avoir comme citoyen, de dire faites attention, parce que c'est bien d'avoir des tapis de souris pour dire faites attention à Internet avec vos enfants, que ces petits tapis de souris sont dans les écoles, mais quand ils sont sponsorisés par des marques, par voilà, la pub, elle est là, dans l'école, et elle rentre. Et je pense qu'il y a une vigilance énorme à avoir sur protéger nos enfants de cet esprit de consommation, et que sorti de là, comme s'il n'existait plus rien, quoi. Bon, donc, moi j'entends un appel à résister.
même si résister n'est pas facile et que pour l'instant, on ne sait pas bien comment convaincre le plus grand nombre de cette nécessité de résistance. Hein. Guy, je vous passe la parole pour que vous nous apportiez votre réflexion. Tout à l'heure, c'était merveilleux, parce que je m'en souviens encore, donc c'est pas parti. Trois points clairs et importants peut-être à garder. Est-ce que vous avez comme ça, sur cette question, des idées fortes? Oui, dans le prolongement de ce que disait Isabelle, je pense que, paradoxalement, hein, on peut essayer de dépasser la situation actuelle où on voit les plus jeunes complètement, enfin très souvent complètement pris par la publicité. Ce matin, j'écoutais à France Culture une émission que je vous recommande à 7h du matin à France Culture sur les problèmes d'environnement. C'est toujours très remarquable cette émission et plusieurs personnes soulignaient combien les jeunes sont inquiets pour l'avenir de notre planète. Et ils constatent qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent à des réunions qui traite ces questions. Et plusieurs amis récemment m'ont dit, des gens d'une cinquantaine d'années, qui me disent « mais nos enfants, c'est ça le problème, l'angoisse pour l'avenir ». Et je crois que paradoxalement, il y a une possibilité par là de repolitiser au beau sens du terme, de redonner une responsabilité citoyenne en montrant aux jeunes que ils ne doivent pas seulement compter sur les politiques pour changer les choses, mais qu'ils ont une possibilité très concrète par d'autres comportements, par ne serait-ce que, par exemple, les économies d'énergie. Enfin, il y a plein de possibilités très concrètes qu'il faudrait justement expliciter. Et je crois que par là, il y a une repolitisation véritablement des jeunes qui est possible, une responsabilité citoyenne. Ça, c'était un peu la première idée. Et puis, je voudrais aussi maintenant prêcher pour ma paroisse, c'est-à-dire vous indiquer sur quoi je travaille avec quelques amis, sur les possibilités de développer l'autoproduction. Hein. Alors, c'est un terme barbare, mais on n'en a pas trouvé de meilleur. On autoproduit lorsqu'on produit pour soi-même, c'est tout le problème de l'économie domestique, etc. Hein? Et nous, ce que l'on souhaite, c'est aussi, pour lutter contre l'exclusion, il nous semble que l'une des formes de lutte contre l'exclusion, c'est de permettre à nouveau aux gens de faire par eux-mêmes. Hein? La formule, c'est en se faisant, se faire soi-même. Hein? Je crois que si on essaye de développer, par exemple, les jardins dans les habitats, dans l'habitat social. On voit bien que lorsqu'on se balade dans les cages d'escalier, vous avez de l'ordre de 20% des gens qui disent « mais nous, on souhaiterait, on rêverait de pouvoir disposer d'un jardin ». Et on voit bien toutes les conséquences que cela a du point de vue de l'alimentation, du point de vue de nouveaux rapports parents-enfants. Donc ça a des conséquences très importantes, tous les travailleurs sociaux le reconnaissent. Donc persuader les politiques, persuader les bailleurs sociaux qu'il est très important, par exemple, de permettre à ceux qui en ont envie, qu'ils désirent très fort, de disposer d'un jardin. C'est aussi tout ce qui est favoriser l'autoréhabilitation du logement par les gens eux-mêmes. Hein. On a mené une expérience dans 4 villes, Bordeaux, Perpignan, Le Havre et les Mureaux, pour créer des services d'accompagnement à l'autoréhabilitation du logement pour des personnes en difficulté. Et ça a des conséquences aussi sociales, culturelles, enfin vraiment très importantes pour les familles. Et la preuve en est que ces 4 villes viennent d'obtenir le prix de l'Union nationale des caisses, des CCAS, pour montrer combien c'est important. Je veux dire que là, il y a un changement de mentalité complet à opérer, parce que jusqu'à présent, on a été dans une évolution de nos sociétés qui faisait qu'on faisait de moins en moins par nous-mêmes et qu'on achetait de plus en plus au marché. Ben, je crois que maintenant, le temps est venu de renverser cette tendance et de permettre d'augmenter la possibilité pour les gens d'être de plus en plus autonomes. Hein. Tous les bons bourgeois se plaignent que les gens veulent être assistés, mais en même temps, on ne met pas les personnes qui le désirent en capacité d'acquérir un peu plus d'autonomie grâce à des choses très simples.
Voilà, un peu le... Et donc, ce dont on s'occupe, c'est le programme autoproduction et développement social. Et la région aussi nous aide pour assurer ce développement. Je crois qu'il y a d'énormes possibilités de créativité grâce à cela. Merci, bravo. L'un comme l'autre, je pense que... On aura envie de vous réinterroger parce que j'ai entendu réhabilitation du logement, donc auto-produire chacun davantage et plus seulement subir une production extérieure. Mais c'est vrai qu'on aurait envie aussi d'interroger sur et qu'est-ce qu'il est possible dans ce sens de faire davantage. Les jardins, je crois qu'on aura des exemples tout à l'heure dans notre banc citoyen.